sur le croc. Jésus est sur le croc. Et parce qu'il est sur le croc, tout va bien. Il y a un ennemi qui est très dangereux dans la vie de la foi. Un ennemi. Il est même plus dangereux que parfois le péché. C'est vrai que c'est le péché qui l'attire. Justement, le péché l'attire. Et il est très dangereux. Parce que quand il est là, on trouve que c'est normal parce qu'on a vécu toute notre vie dedans. On trouve que c'est normal. Et parfois, on te traite de fou quand il n'est pas avec toi. C'est la peur. Alléluia. C'est un meurtrier. Gloire. Si je demande à la salle la définition de la peur, est-ce que quelqu'un peut me donner ce qu'il pense de la peur? Qu'est-ce que la peur? La peur. Hein? La louange à Satan. Amen. C'est vrai. L'aboutissement. La peur. J'ai déjà prêché ici, mais je vais revenir sur certains points. La peur. Amen. Non seulement quand vous avez peur, vous louez le Seigneur, vous louez Satan. Mais on peut définir la peur comme le contraire de la foi. C'est ce qu'on avait dit, non? La peur, c'est le contraire de la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme assurance. Qu'est-ce que la peur? Hein? Pardon? Quand on a la foi, on est ferme. Et quand on a peur, on est comment? On est faible. Amen. La peur vient toujours avant un événement. La peur, c'est l'odeur d'un événement. Alléluia. C'est des lois. Dans ce monde, vous ne pouvez pas préparer quelque chose sans qu'il y ait une odeur. Vous faites le gâteau, à cause de son odeur, on reconnaît le gâteau. Mais l'odeur n'est pas le gâteau. Mais quand vous sentez l'odeur, probablement, la chose là va arriver. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez, l'odeur devient comment? Très forte. Amen. Ça veut dire qu'on se rapproche déjà de la chose. Et il y a même des animaux qui s'orientent seulement avec l'odeur. Et je ne dis pas ça au hasard. Il y a des animaux qui vous retrouvent à cause de votre odeur. On vous dit donc que la peur, c'est l'odeur du mal. Amen. Quand vous avez peur, la chose que vous craignez là va vous arriver. Parce que la chose que vous craignez vous cherche. Et c'est à cause de la peur que vous allez orienter cette chose-là. Alléluia. Nous les chrétiens, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Prenons 1 Jean chapitre 5, verset 4. Lisez au nom de Jésus. 1 Jean 5, verset 4, il est écrit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, mais ce qui triomphe, c'est notre foi. Ça veut dire qu'il suffit d'enlever aux chrétiens sa foi. C'est terminé, vous l'avez vaincu. Je parle à quelqu'un ici. Dès qu'on a enlevé votre foi, et tout ce qu'on est en train de vous faire là, c'est pour vous enlever votre foi. On attaque la foi. Depuis que tu es là-bas, c'est comment? Ton Dieu là, c'est comment? Tu ne vois pas que on est en train d'attaquer la foi. Et dès le jour où on va toucher ta foi, ça sera terrible. Bien-aimé, tu auras tout perdu. Celui qui est né de nouveau triomphe du monde. Ça veut dire que tout ce qui arrive là, bien-aimé, vous avez triomphé. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez que ça arrive à qui? À vous? Ça va arriver au monde. Ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien, il n'y aura pas le châtiment. Il y aura le châtiment. Au contraire, être chrétien, c'est sortir du châtiment. Le châtiment est prévu. Maintenant, quand vous êtes chrétien, vous sortez du châtiment. Ça veut dire que vous verrez le châtiment. Pourquoi vous êtes inquiet avec ce qui arrive là? Parce que tous les autres crient. J'ai une expérience des chrétiens que vous ne pouvez pas imaginer. Ne mettez jamais au feu votre main pour quelqu'un. Jamais. C'est la leçon que moi j'ai tirée avec mon expérience de prédicateur. Au début, j'ai commencé ici à dire non.
Dieu protège tout le monde. Effectivement, le Seigneur lui-même m'a dit, ne dis pas comme ça. Je protège mon corps. Parce que ceux qui ne sont pas dans mon corps, qui sont assis là, à cause d'eux, l'opprobre peut arriver. Je parle aux gens. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu. Quand tu ne crains pas Dieu, qu'est-ce qui campe? Rien n'est vide, hein? Quand tu ne crains pas Dieu, qu'est-ce qui campe? Maintenant, le diable ne peut pas m'approcher, c'est difficile. Un démon ne peut pas m'approcher, c'est difficile. Mais comme il campe autour de toi qui m'approche, tu peux devenir une porte pour moi. Je parle à quelqu'un ici. Ça veut dire que si toi tu marches dans ses voies, c'est pour ça que Dieu dit, quittez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Parce que l'ennemi seul ne peut pas venir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit quelqu'un qui est là à côté de toi et il lui fait faire les choses. Lui campe autour de lui. Et quand cette personne arrive, l'ennemi est à côté de toi. C'est pour ça que quand vous marchez avec ce genre de personnes, vous êtes en danger. Vous êtes en danger pourquoi? Parce que l'ennemi vous surveille. L'ennemi ne peut pas venir passer le temps à côté de toi quand tu es seul. C'est difficile. Les anges campent. Mais maintenant, quelqu'un qui vit avec lui vient à côté de toi. C'est ce qu'on appelle la porte. À cause de toi, à cause de cette personne, l'ennemi t'approche. C'est-à-dire, à cause de cette personne, l'ennemi t'approche suffisamment pour que, comme il campe, il a le droit de camper. Et quand, au fur et à mesure qu'il est là, lui commence à te guetter. C'est pour ça que vous avez remarqué, quand vous marchez avec certaines personnes, la semaine-là, vous êtes fini. Des choses bizarres vous arrivent. À l'interdit. Glory be to God. C'est pour ça donc le Seigneur m'a dit, pardon, prendre aussi un peu les mesures là. On ne sait jamais. Parce que, effectivement, je vais poser une question ici. Vous savez qu'il y a des gens qui ont la tuberculose qui viennent ici, on prie, guérissent. Qui a déjà attrapé la tuberculose ici? Vous connaissez la contagion de la tuberculose? C'est pire que ça. Mais ils sont venus, ils ont guéri. Donc moi, ça ne m'inquiète pas. Les gens sont venus ici avec l'hépatite. Vous connaissez comment l'hépatite se contamine? Avec la sueur. On a prié ici. Les gens sont partis, ils ont guéri. Et nous, on n'a pas reçu. Donc la panique là, c'est juste parce qu'on ne vous dit pas souvent qu'il y a des cas pires que ça. Alléluia. Et ils sont passés par quelque chose qu'on appelle la peur. Pourquoi je définis la peur comme le manque de foi? Moi, je ne suis pas dans la définition du dictionnaire. Je suis dans la définition de la parole. Prenons Marc chapitre 4, verset 40. Lisez au nom de Jésus. Marc 4, 40. Marc 4, verset 40, il est écrit. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Bien. Puis il leur dit, Jésus était en train de traverser, il était dans la barque a commencé à faire comme ça, les disciples ont eu peur. Ils ont crié à Jésus, Jésus donc se lève, il dit. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Amen. Alléluia. La parole qui suit après ça vient expliquer ce que c'est que la peur. Alléluia. Il dit, puis il a dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas la foi? Ça veut dire que la peur, c'est quoi? Manque de foi. Comme quand vous demandez à quelqu'un quelque chose, c'est-à-dire vous demandez quelque chose à quelqu'un deux fois. Mais pourquoi tu peux faire ça? Pourquoi tu fais ça? Ça veut dire que tu insistes. Vous comprenez cette figure de style? Il dit, puis il a dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point la foi? Ça veut dire que la peur égale manque de foi. Et c'est ça le problème. Pierre est dans la barque. Il voit un fantôme, entre guillemets, c'est le Seigneur. Il lui dit, ok, si tu es Dieu, dis que je vienne. L'écoute. L'écoute. Pierre a dit, dis que je vienne. Jésus lui a dit, viens. Jésus a écouté la prière. Amen. Amen. Et il a dit, viens. Parce que Pierre était sûr que Jésus l'a écouté et qu'il lui a dit de venir, il est sorti. Vous voyez, quand quelqu'un vous tend la main, amen, et que vous sortez de quelque chose, ça peut être une barque, généralement vous regardez la personne. Vous regardez la personne, non. Vous faites ça, vous regardez la personne. Et la personne vous prend avec les deux mains. Amen. Amen. Il s'est mis à marcher sur l'eau. Mais quelque chose s'est passé. Le vent s'est levé. Le vent ne s'est même pas levé. Parce que, pourquoi le vent ne s'est pas levé? Parce que Jésus avait calmé le vent. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen.
Alors au bruit, vous connaissez la nuit, non? C'était le bruit normal. Pierre descend. Et la Bible dit quoi? Il a commencé à avoir peur. Ça veut dire que la foi était déjà en train de finir. Mon juste vivra par la foi. Ce que vous faites par la foi, dès que la foi diminue, ce que vous faites, vous vous enfoncez. Et c'est souvent les bruits que vous entendez. L'eau ne venait pas frapper Pierre, zéro. C'est les bruits des vagues au loin qui frappaient. Le vent qui soufflait. C'est normal qu'une mer ait le vent. Bien-aimé, c'est normal que ta vie soit bousculée. Hein? Pierre fait le premier pas, le deuxième pas, après commence à s'enfoncer. Pourquoi il s'enfonce? Parce qu'il a peur. Prenons Matthieu 14, du verset 28 au verset 31. Matthieu 14, 28, 31. Lisez au nom de Jésus. Matthieu 14, 28 à 30, il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Alléluia! Voyant que le vent soufflait, il eut peur. Et la peur a entraîné quelque chose et s'est enfoncé. Maintenant, imaginez un peu que Pierre soit parti du bord du fleuve. Il a dit à quelqu'un, je peux marcher sur l'eau. Il a dit, Kaka, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Il dit qu'avec Jésus, je peux marcher sur l'eau. Amen. Et maintenant, arrivé, effectivement, il rencontre Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il lui dit, viens. Pierre se met à marcher. Mais finalement, Pierre s'enfonce. Qu'est-ce que la personne va dire là-bas? Que n'est-ce pas, il te dit que tu ne peux pas marcher. C'est ça le résultat que les chrétiens obtiennent. Les païens vous mettent au défi, vous relevez les défis, mais après, ils ont raison à cause de votre peur. Ils ne voient pas souvent le petit processus où tu commences quand même à marcher. Et ils voient seulement que la fin, que est-ce que tu allons marcher? Tu vas dire non, n'est-ce pas? Et finalement, ça va t'amener. Il y a les gens ici qui ont divisé les maladies. Ils savent que la maladie ici, c'est à l'hôpital. La maladie ici, c'est machin. La Bible dit qu'il parcourait la Galilée et soignait tout genre de maladies. Il est écrit dans l'Ancien Testament, même les maladies qui ne sont pas mentionnées dans ce livre. Dieu avait tout prévu. C'est ta peur le problème. C'est ta peur le problème. Et la peur, c'est comme un évangile. Quand ça se répand, c'est dangereux. Et je vais vous dire quelque chose. La peur a deux sous-produits, deux manifestations. Il y a la crainte et la timidité. Voilà les deux sous-manifestations de la peur. Quand quelqu'un a peur, soit il craint, soit il devient timide. Et les deux là s'opposent. Quand quelqu'un, il y a déjà la peur, il peut manifester ça par la crainte. La crainte nous fait prendre des mesures. Alléluia. La crainte fait qu'on prenne des mesures parce qu'on a peur. C'est ça la crainte. C'est-à-dire, quand vous avez la crainte, vous prenez des mesures parce que vous avez peur. Peur est là. Et vous prenez des mesures. Les mesures pour que la peur ne vous... Vous n'arrivez pas au niveau de la peur, comme l'a fait qu'il a. N'est-ce pas, on a pris les mesures? Maintenant, la timidité t'empêche plutôt, te bloque. Tu ne prends même pas les mesures. Vous savez quand quelqu'un est timide, non? S'il y a les gens comme vous êtes là. Comment je vais expliquer? Quelqu'un qui est timide, quand il va arriver, il va bien venir, hein? On va lui dire non, viens, il n'y a rien, il va venir. Mais dès qu'il va se mettre ici, boum, fini. Il commence. Vous voyez, il a peur du public. Et ça se manifeste chez lui par la timidité. Là où la timidité bloque. C'est pour ça que Jésus a dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais de force. Parce que la peur enlève la force. Et quand quelqu'un n'a plus la force, il devient timide. Je parle ici à quelqu'un. Et maintenant, la crainte, c'est quoi? La crainte, c'est les mesures que tu prends pour ne même pas arriver là où il y a la peur. Quand quelqu'un craint d'entrer dans cette salle, tu ne peux pas le convaincre d'entrer. Quand quelqu'un est timide, il va entrer, mais il ne peut pas parler. Mais quand quelqu'un a la crainte de ce qui est ici,
Il ne viendra pas, il prendra ses mesures pour toujours contourner. Voilà donc les manifestations de la peur, la crainte et la timidité. La frayeur alors, c'est quand ton sang se verse en brousse. Quand tu as la frayeur, c'est tu peux mourir de crise cardiaque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes quelque part. Dès que vous avez peur, faites très attention. La chose que vous craignez va vous trouver. La peur, c'est une odeur dans le spirituel. C'est une odeur que vous émettez. Si vous mettez un parfum ici, maintenant, cachez-vous, on saura que vous êtes là. Parce que on ne vous voit pas, mais vous dégagez une odeur qui est caractéristique. Et il suffit qu'on prenne un animal, il commence à faire quoi? Avec votre odeur, il vous repère. C'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous manifestez la peur d'une chose, la chose-là va vous trouver. C'est pour ça que, pour que cette histoire marche, on va utiliser tous les médias pour répandre quoi? La peur. Alléluia. Amen. Et c'est avec cette peur-là que cette chose va trouver. Bien aimé, dit erreur. Prenons Job chapitre 3, verset 25. Job 3, 25, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous comprenez? C'est ce que je crains qui m'arrive. La peur, c'est une odeur, c'est un esprit. L'esprit, c'est le vent. C'est comme le vent. Quand tu es esprit, tu es comme le vent. On ne sait ni d'où tu vas, ni d'où tu viens. Donc, quand vous avez peur, vous relâchez un esprit qui va aller dire à la chose là que le voilà là-bas. Parce que la peur, vous avez peur, non? Vous partez avec, non? Jesus. Je vais vous expliquer comment. Imaginez qu'un chien, voilà. Le chien, on met un chien qui doit vous retrouver dans une brousse. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire pour que le chien vous retrouve? Même si on ne sait pas où vous êtes parti, on va seulement prendre votre habit. On lui donne l'odeur de l'habit et on lui demande de marcher. Il va suivre seulement l'odeur parce que vous marchez avec votre odeur. Donc le chien que vous êtes en train de fuir va vous retrouver grâce à votre odeur. De la même façon, la chose que, dont vous craignez là, ce que vous fuyez là, va vous retrouver à cause de la peur de cette chose. Alléluia. Amen. Et Satan a compris. L'ennemi a compris. C'est pour ça qu'avant de vous faire des trucs, on vous pompe d'abord la peur. Copieusement. Vous croyez que le président de la République et toi, vous êtes différents à cause de quoi? On cultive la peur, la crainte. Hé, hey, mon frère, c'est un homme comme toi, hein? Deux pieds, deux mains. La seule différence, c'est qu'on a cultivé autour de lui la crainte. Vous voyez? C'est ça. La chose que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Si tu es assis ici aujourd'hui et que tu penses à la situation, qu'après ce culte, on va me faire telle chose. C'est ça qui va se passer. Je t'assure, c'est ça qui va se passer. Parce que c'est ce que je crains qui m'arrive, c'est ce que je redoute qui m'arrive. Il me dit erreur. Et beaucoup de gens sont tombés dessus dans la Bible. Quand vous prenez 1 Samuel 17, 11. 1 Samuel 17, 11. Lisez un peu au nom de Jésus. Verset 11, il est écrit. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alléluia. Vous voyez, Goliath et son mari parlent. Hein? Je vais vous couper. Je vais vous déchiqueter. Je vais. La Bible dit que Israël tout entier a été effrayé et ils sont restés tranquilles. On dit que le père la sortait chaque matin. Il venait insulter. Et il sortait chaque soir, il venait insulter. Il n'avançait pas. Il n'avançait pas. Il devait d'abord faire ce travail pour paralyser Israël afin de l'atteindre après. Mais gloire soit rendue à Jésus parce que quelqu'un est venu briser. Je parle ici à quelqu'un. Il y a des gens que quand ils rentrent chez eux, les problèmes commencent dans le cœur. Tellement on a effrayé dans le quartier. Il peut même fuir le quartier là. On t'a encore rien fait, hein? Mais c'est toi qui commences déjà à maigrir. Parce qu'on suscite la peur. Si on commence à vous parler de quelque part en mauvais signe, il y a des gens ici que le cimetière, quand ils passent au cimetière la nuit, ils marchent comme ça là.
Comme si l'esprit va entendre ses pas. L'esprit, le démon est là. Qui vous dit que le démon habite le cimetière? Hein? Qui t'a dit? Le démon habite un homme aussi, possédé, qui est même très propre. Tout simplement parce qu'on a cultivé la peur du cimetière. Et c'est pour ça que quand tu passes au cimetière, c'est l'endroit où tu es le plus vulnérable. C'est pour ça que c'est là-bas qu'on t'attaque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimé, la peur, c'est un esprit. C'est un esprit qui attire comme l'aimant le danger. C'est un esprit qui dit, viens ici, il est là. C'est ton odeur spirituelle. Quand tu as peur, tu émets quelque chose qui attire l'ennemi. Et le contraire de la peur, c'est la foi. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est le Saint-Esprit agit quand tu as la foi. Donc la foi, c'est aussi cette substance-là. Satan, c'est un esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Le Saint-Esprit a besoin de ta foi pour agir. Satan a besoin de ta peur pour agir. Vous ne pouvez pas dire la même chose? Hey. C'est pour ça donc que quand l'ennemi veut venir, il enlève la chose qui peut faire venir l'autre. Chacun enlève. Jésus, quand il arrivait, il disait quoi? N'ayez pas peur. Enlevez-moi la peur là pour qu'il puisse agir. C'est pour ça donc que quand l'ennemi veut frapper, il enlève cette chose-là qui permet que le Saint-Esprit puisse agir. Mais quand tu dis « Je te chasse au nom de Jésus », tu vois même le démon. Qu'est-ce qui te fait dire « Pas au nom de Jésus » Parce que tu crois que quand tu vas dire de partir, il va partir à la foi. Vous savez, c'est n'importe qui dit de partir, le démon part. Il regarde si tu as la foi. Donc quand l'ennemi veut déjà te prendre, qu'est-ce qu'il fait? Il doit tuer la foi. Et il tue la foi avec quoi? La peur. Dès que la peur est installée, faites attention, Satan est déjà là. Dès que vous avez déjà peur, c'est fini. Et vous connaissez quand vous avez déjà peur, non? Vous commencez à soupçonner. Oh, l'amour ne soupçonne pas. Vous commencez à soupçonner. On se soupçonne, mais on se salue comme ça. Dieu dit, là où deux ou trois sont réunis, je suis. Satan est venu vous dire, séparez-vous. Vous croyez que quand vous serez séparés, Jésus va venir parce que c'est ça? Il a dit là où deux ou trois se réunissent, c'est réuni. Si vous n'êtes pas réunis à deux, tant pis pour vous. Vous voyez ce qui se joue là dehors? C'est ce qui se joue là dehors. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Pour enlever Jésus, il faut la séparation. Il dit, je suis redoutable dans l'assemblée des saints. Satan a compris, ça dit, ok, moi je vais vous séparer. Dieu dit, au son de la trompette, l'église y viendra à ma rencontre pour qu'on se réunisse. Au son de la trompette, Satan venait amener sa part de son de trompette. Les radios, les pasteurs, les ceci, c'est des sons de trompette qui font quoi? Sépare. Vous voyez? Donc quand moi je vois ça, je ris. C'est moi ça. Je ris. Parce que même les chrétiens ne comprennent pas. Les chrétiens ne comprennent pas. Jésus dit, je reviens bientôt au son de la trompette. L'église sera enlevée à ma rencontre. Amen. Pomp! Les chrétiens vont se mettre ensemble. Ceux qui sont morts en premier et nous qui sommes vivants. Alléluia. Amen. Satan vient aussi dire, ok, moi je vais te dire. Parce que l'ennemi, regardez un peu quand on fait une prophétie sur vous. L'ennemi vient d'abord. Quand on prophétise que vous allez vous marier, la semaine-là, faites très attention. Il y aura 8 prétendants. Il anticipe et il passe par imitation. Mais Dieu réserve souvent l'exclusivité. Amen. Jésus a dit au son de la trompette. Alléluia. Amen. Vous serez réunis avec moi. Satan vient vous dire avant. Il va aussi faire son son de trompette. Mais ce sera pour vous diviser. Et la Bible est claire. Chassez ceux qui amènent la division. On a envoyé un texte sur Facebook, sur truc. Je veux dire que ces gens, les gens ont des interprétations qui me font rire. Celui qui ne croit pas en Dieu là, pour te faire accepter la décision qu'il prend, va quand même dans la Bible parce qu'il sait qu'il va te convaincre. Je veux dire que l'arme la plus puissante entre les mains de l'ennemi, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Jésus rencontre Satan au désert. Quelle est l'arme qu'il va utiliser? C'est son arme la plus puissante. Contre l'ennemi le plus puissant, on utilise l'arme la plus puissante. Satan a utilisé les formules magiques contre Jésus
Il a utilisé la parole. Faites très attention à la parole de Dieu quand elle est utilisée très mal. Avec ce que les gens prennent. D'autres disent que l'enlèvement, le confinement est dans la Bible. Quand on te dit dans la Bible que quand tu veux prier, entre dans le secret, entre où? Dans la chambre et ferme la porte. Pourquoi ça, ce n'est pas le confinement? Dites comme vous dites là avec le monde, mais laissez la parole de Dieu. Quand on dit il est temps pour toi d'aller te cacher dans la chambre, c'est pour dire que quand ça ne va pas, retirez-vous pour prier. La victoire, c'est dans les chambres, dans les secrets. C'est ce qu'on est en train de dire. On n'a pas demandé aux gens de fuir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Il y a des gens qui m'ont insulté. Il y a seulement dit que on est quand? On est jeudi, mercredi, non? Il reste 2 jours. Alléluia. On est en train d'éprouver votre foi. On est en train de vous montrer que parmi tout ce que vous entendez là, il n'y a rien. Les gens vont sortir des discours. Les prophéties vont sortir. La Bible dit quoi? Ce sera le temps où les gens vont recourir à la spiritualité. Tout le monde devient prophète. C'est le spirituel. Parce que dans cette spiritualité, Jésus viendra enlever son église qui aura la vraie spiritualité. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Mais les gens mélangent apostasie et péché. Et quand il y a trop de péché, alors que l'apostasie, c'est l'enlèvement de l'église. C'est ça l'apostasie. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi. C'est vrai, il y aura des abominations, mais ce n'est pas ça l'apostasie. C'est dans ces abominations que l'apostasie va se passer. Parce que Jésus viendra prendre l'église glorieuse et non une église tiède. Asseyez-vous au nom de Jésus. Ne pas avoir peur ne veut pas dire défier les ordres donnés par l'autorité, non. Mais c'est de ne pas avoir peur. J'explique ça comment. J'obéis, mais je n'ai pas peur. C'est même les chrétiens qui doivent être les premiers à mettre en pratique ces choses. Amen. N'est-ce pas qu'on nous demande tous de nous habiller? Chrétiens et païens s'habillent, non? Amen. Mais les chrétiens ont leur façon de s'habiller, non? Et les païens ont leur façon de s'habiller, non? Pourquoi dans ces choses, on ne comprend pas cela? Bien-aimés, attention à la peur. Je te demande ce soir d'aller enlever la peur. Et tant que tu ne comprendras pas que c'est spirituel, j'ai bien peur pour toi. J'ai peur pour toi, c'est spirituel. Hautement spirituel. Le Seigneur m'a fait comprendre que je ne vais pas prononcer de nom, de peur de ne pas être compris. Il m'a dit, les idoles vont tomber. Les idoles vont tomber. Moi aussi, j'ai cru ça comme, j'ai compris ça comme tu comprends là. Que les idoles. Ce matin, en annonçant la mort de quelqu'un, on a dit tel, 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 éternel. Éternel avec grand E. Bien-aimé, quand on dit éternel avec grand E, vous savez de qui on parle? C'est là, voilà les gens dont je parle. Je vais les enlever, tout ce monde qui prenne ma place. Et je le redis encore aujourd'hui. Ça a commencé vendredi à l'apothéose. Si tu sais que tu es une idole, dans un domaine, Dieu dit que c'est sa place. C'est là qu'on a dit, regarde le nom qu'on lui donne, éternel. Éternel a commencé à faire comme ça dans ma tête. Je me suis énervé, je dis, c'est pas possible, donc c'est ça. Assieds-toi au nom de Jésus. Cette histoire va repartir comme c'est venu. Parce que quand ça va finir de faire ce que ça va faire, ça va repartir. Dieu dit, ne crains point. Quand Jésus arrivait, il disait, ne crains point. Ça veut dire, il faut avoir la foi. Vous n'allez pas voir le Seigneur sans la foi. Il ne va pas changer ça parce qu'on est dans une situation difficile. Et si tu as la peur, tu auras le manque, tu as le manque de foi. Dès qu'il n'y a pas la foi, la peur va s'installer. Tu as envie de sortir. Tu te dis que, quand tu as même peur de sortir, tu te dis que quoi? Moi, j'avais ma tante, hein. Une maman, elle avait déjà près de 30 ans, hein, 28 ans.
Elle a accouché son enfant qui avait 1 an et demi, 2 ans. Elle veut sortir pour uriner la nuit. Comme c'est un petit garçon, elle réveille le petit garçon, elle le met devant. Elle le met devant, elle pousse d'abord devant, elle reste un peu. L'enfant aussi sort, il voit la lumière, il sort. Maman, tu as dit que tu accompagnes. Elle dit oui, oui, avance. Et après, la mère sort, elle va aux toilettes et elle revient, elle va, elle dort. Vous croyez que c'est le physique qui s'est passé? Quand vous avez peur là, quand vous ne voulez pas sortir la nuit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur du bandit? Vous savez que le bandit peut avoir aussi peur de vous? S'il n'a pas peur de vous, vous croyez qu'il serait venu à une heure bizarre? Vous avez peur de quoi? C'est spirituel. C'est spirituel. Il y a une menace sur vous, mais vous ne savez pas. Et c'est là qu'on dit de surmonter votre peur. Chaque fois que je... Non, non, je ne peux pas toucher ça. J'ai peur de toucher ça. Chaque fois que je touche... On va d'abord... C'est comme on dit, non. Prends un peu le manioc. Non, 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 non. Chez nous, là... Non, j'ai peur du manioc. Fini. J'ai peur du manioc. Bah, chaque fois que je touche le manioc, j'ai mal à l'estomac. Vous voyez? Il y a la peur du manioc et la menace, c'est le mal d'estomac. Donc, le mal d'estomac est là. Et comme tu as sa peur... Tu as sa peur... C'est avec sa peur qu'il va te repérer. Tant que vous ne comprendrez pas que vous marchez dans le spirituel, vous aurez des problèmes. Vous n'avez pas l'impression que c'est quand vous parlez de quelque chose que la chose là vous arrive. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais donc vous expliquer. Vous allez faire une remarque. Quand vous avez le mal d'estomac, par exemple, c'est rare que vous ayez mal de la même façon. Il y a des jours où c'est violent, il y a des jours où c'est calme, il y a des jours où c'est moyen. Vous connaissez ça, non? Le mal d'estomac. Pourquoi? Ça va dépendre des lieux où vous avez marché et ça va dépendre de ce que vous avez mangé. Pourtant, l'estomac tourne de la même façon. Si vous arrivez chez un tel, vous parlez de la maladie, vos yeux sont fermés. Vous devez savoir que les maladies, c'est le spirituel. C'est des esprits qui créent cela. À la création, Dieu n'a pas créé la maladie. C'est quand il y a eu rébellion avec les esprits méchants qu'il y a eu quoi? La maladie. Alors, j'arrive ici, je parle, en parlant donc de la maladie, je dis que, ouais, vraiment, il y a souvent un mal d'estomac qui me dérange vraiment. Donc, Dieu, que tu me donnes, si j'ai peur de manger ça, parce que ça me donne le mal d'estomac. Vous venez d'évoquer qui? Peur. Dès que peur, vous commencez à émettre... Vous consultez vous-même la place du mal d'estomac, qui est un esprit, qui ne reste pas chez vous, qui ne reste pas là. Parce que bizarrement, écoutez-moi très bien. Pourquoi dans une famille, il peut avoir la même maladie? Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas présent partout à la fois. C'est pour ça qu'ici, il met les esprits de mal d'estomac. Là-bas, il met. Regardez bien. Dans une famille, vous tous avez le mal d'estomac quand vous êtes rassemblés. Pourquoi? Parce que c'est un ou deux esprits qui créent ça. Amen. Et quand ils habitent votre famille, c'est leur maison. C'est pour ça que vous, dans cette famille, c'est le mal d'estomac, votre maladie. Amen. Maintenant, le voisin ne peut pas avoir ça. Parce que les démons n'accouchent pas. Il parle à quelqu'un? Amen. Donc les démons réservent au mal d'estomac, restent dans cette famille. Et pendant que tout le monde naît, ils ont leur route, la route du sang. Donc, toute cette famille ici, c'est leur propriété. Voilà pourquoi tout le monde de cette famille ici a le mal d'estomac. Alléluia. Maintenant, vous avez aussi un mal d'estomac, par exemple. Amen. Vous arrivez dans cette famille-là. Vous êtes encore tranquille. Pourquoi? Parce que le démon n'habite pas dans le corps. C'est le Saint-Esprit seul. Maintenant, l'ennemi ne sait pas que votre estomac est... Il peut habiter votre estomac. Parce que quand vous avez le mal d'estomac, ça veut dire que le démon... De cette maladie habite votre estomac. Je parle aux gens. C'est pour ça que vous avez le mal d'estomac. Quand vous entrez dans une voiture, la voiture ne bouge pas. Quand vous entrez dans une voiture, ça ne bouge pas. Quand vous chargez un camion, n'est-ce pas, ça se tord. Donc quand le démon là entre dans votre estomac, c'est là que le mal d'estomac commence. Donc il habite dans une famille. Toi, c'est sa maison, souvent. Tu es tranquille. Tu te lèves, tu viens, tu t'assieds là-bas. Amen. C'est la famille où il y a le mal d'estomac. Maintenant, tu t'assieds. Quand tu t'assieds, on veut te servir dans le manioc. Tu dis quoi?
Non, le bâton de manioc, vraiment. Le bâton de manioc, je ne peux pas parce que j'ai le mal d'estomac. Tu viens d'indiquer quoi? Tu viens d'indiquer quoi là? Que mon estomac, si, c'est même sa maison. Dans cette famille, c'est le mal d'estomac qui règne. Quand toi, tu viens, il ne sait pas. Parce qu'il ne te lit pas. C'est vrai qu'on dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Tu bavardes trop. Tu ne sais pas que c'est quand tu bavardes que tu livres tes secrets. Même aux esprits. Maintenant, quand tu t'assieds, tu dis que vraiment, moi, j'ai peur de manger le manioc parce que ça me donne souvent le mal d'estomac. Il se retourne, il dit, hey, voilà notre maison. Tu ne vas pas partir de là sans mal d'estomac. La nuit, là, tu auras mal à l'estomac. Et ce mal d'estomac ne sera pas comme les autres maux d'estomac parce que le démon de la famille, là, n'est pas comme les autres qui habitent dans ton corps. Assieds-toi au nom de Jésus. Je parle ici aux gens. Et dès qu'on te présente le manioc, la peur, tu commences à avoir peur. Tu dis, hey, je ne peux pas toucher. Dès que tu dis que tu ne peux pas toucher parce que tu as peur du manioc, tu es en train de faire quoi? Tu installes le climat pour que l'ennemi travaille. Bien-aimés, nous allons triompher du monde par la foi. La première chose qu'on attaque chez toi, c'est la foi. Quand on veut installer quelque chose, on distille. Il y a des gens qui sont énervés parce que vous n'avez pas peur du coronavirus. Ils sont énervés. Il dit à l'autre qu'il faut me quitte-moi de ça avec en route. Je suis les prescriptions. Je n'ai pas peur de ça. Amen. Lui, il est scandalisé parce que il dit, tu n'as pas peur. Je dis, je n'ai pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Quand moi je lave mes mains, je suis habitué. Chaque fois que moi j'entre chez moi, je lave. C'est tout. Il y a des gens qui ont tellement lavé les mains que ça a changé de couleur. Et il met toute sa foi dedans. Tu veux savoir où tu as ta foi? Tu laves les mains pour ne pas avoir la maladie. Le jour où la maladie commence, tu vas dire que pourtant je lavais les mains. Donc c'est là où tu as mis toute ta foi. On lui dit, hey, Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu dis pourtant je lavais les mains. Dieu dit de changer de point focal. Change de point où tu amènes ton attention. Change de point. On va vous expliquer comment ça se contamine, comment ça se contamine, comment ça se contamine. On vous explique ça pour que la peur s'installe. Vous savez que si maintenant je vous prends, je commence à vous parler du VIH. Je te dis que si tu te lèves et que tu sens comment l'oreille s'y gratte, si tu sens comment l'œil s'y fait ça, bien-aimé, je vous assure, dès que ça va gratter, dès que ça va faire, tu vas dire « œil ». Et au fur et à mesure qu'on va t'expliquer les symptômes du VIH, fais attention, tu vas commencer à manifester ça. Faisons très attention. Prenons ces choses au sérieux, mais n'ayons pas peur. Au point où ça devient la psychose. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est quand on lance ça comme ça qu'on produit souvent l'effet inverse. Vous avez là tellement effrayé les gens, vous croyez que quoi? L'Africain, c'est pour ça que ça marche difficilement. Ici, il faut la chicotte pour que ça marche. Pourquoi? Parce que l'Africain aime les gens. Regardez, quand vous avez peur, vous courez vers où? C'est pas vers là où il y a les gens. C'est donc la peur là qui fait que les gens s'entassent encore plus. Et c'est là où l'ennemi donc frappe. Quand on dit aux gens de ne pas se regrouper après 18h au bar, les gens comprennent que c'est un problème de, c'est un problème de regroupement. L'esprit de ça, c'est qu'on ne veut pas que les gens soient ensemble. Pas que les gens ne soient ensemble la nuit. C'est pour ça que les gens partent s'entasser à 18h, chacun se lève. Et je vous dis, passez même à 18h, les gens se sont changés de tactique. J'ai vu quelque part où j'entendais seulement les murmures. Vous voyez? Parce que les gens n'ont pas compris ce qui se passe. Vous, n'ayez pas peur. Respectez cela, mais n'ayez pas peur. Ces choses ne viendront pas. Votre confinement, c'est pour prier. Pour demander la miséricorde. C'est pour vous ça. Et Dieu vous parlera. Il vous dira ce qu'il est en train de faire. Vous êtes confiné pour faire quoi? D'autres vont sortir là-bas gros comme les porcs. Ils vont seulement manger. D'autres vont sortir, les enfants vont naître parce que pour la première fois, les parents restent ensemble. Vous voyez? Alors que le chrétien va mettre ça
en pratique pour crier devant le Seigneur. Pour crier devant Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il vous dira ce qui se passe. Et quand il va vous dire comme il m'a dit ce qui se passe, je suis tranquille. Mon Dieu ne peut pas être en train de faire quelque chose et il m'attaque. Je suis son corps, c'est même moi qui fais cette chose. C'est moi qui fais cette chose. Parce que c'est lui qui est en train de la faire. Amen. N'ayez pas peur. Je parle ici à quelqu'un. Amen. Gloire. Prenons Apocalypse 1, 17. Dis-le au nom de Jésus. Apocalypse 1, 17. Apocalypse 1, 17. Il est écrit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ne crains point. Quand Jésus vient, il vient avec la foi. C'est-à-dire, aie la foi. Je ne peux pas te faire du mal. Ne crains point. Je tombais sur sa face, sur ma face. Ne crains point. N'ayez pas peur. Chaque fois que Jésus était arrivé, il a dit, n'ayez pas peur. Parce qu'il est le consommateur de la foi. Vous voulez que Jésus travaille? N'ayez pas peur. Ça veut dire que ne remplacez pas la foi par la peur. Je crois que si souvent ici, lors des prières, même au pasteur, s'il arrivait quelque part, il me voyait prendre les gants pour mettre et pour imposer les mains, ça va devenir un problème. Il y a un jeune homme qu'on amenait souvent, il était assis là-bas derrière avec la boîte. Il passait le temps à cracher. Vous croyez qu'il avait quoi? La tuberculose, phase terminale. Il joue. Sauf que quand il nous voit, il fuit. C'est fini. Il y a une maman qui vient souvent ici, son fils noir là-bas, étudiant. Tuberculose, phase terminale. Lui, quand même, il vient. Il nous dit merci souvent. Il y a un papa qui était brun ici, comme ça, avec les yeux, machin là. Il avait quoi? Il avait l'hépatite. Les gens qui se communiquent seulement avec la sueur, la salive. Il a guéri. Je vous ai dit, soyez ceux qui contaminaient la guérison. Pourquoi est-ce que quand toi et moi on se croise, tu as peur que tu me contamines? Que je ne sais pas comment je dois dire. Que j'ai peur de pasteur parce que c'est lui qui va me contaminer. Est-ce que moi je ne peux pas le contaminer? C'est donc un problème d'autorité. Tu as l'autorité. Vous savez, dans une maison, vous n'avez pas l'autorité, vous faites tout seul. Je parle à quelqu'un. Regardez une maison. Il y a 10 personnes, 10 enfants. Vous n'avez pas l'autorité. Vous allez tout faire seul. Mais celui qui a l'autorité sera assis. Il va tout. Il va faire qu'on fasse tout pour lui. Amen. La seule différence entre vous deux, c'est l'autorité. C'est-à-dire, tu es là. Tu vas envoyer quelqu'un te rendre. C'est-à-dire que, okay. Tu vas tout faire seul. Quand vous commencez à tout faire seul par les moyens humains, ça veut dire que vous avez perdu l'autorité. Et la chose-là va vous prendre. Mais quand vous avez l'autorité, vous ordonnez. Et la chose-là vient. Bien, mais n'ayez pas peur. Que la peur ne vous domine pas. Et dans la Bible, il y a quelque chose qui est très important. Quand on parle de l'eau dans Apocalypse, c'est la population. Amen. C'est la foule. Quand on parle généralement de l'eau dans Apocalypse, une grande foule, souvent les eaux, les bruits des eaux. Regardez bien ce que Jésus dit, Jésus fait. Pierre, à cause de l'ordre de Jésus, dès qu'il a vu, dès qu'il avait son regard sur Jésus, il marchait sur l'eau. C'est-à-dire, vous serez au-dessus de la population. Amen. Je parle à quelqu'un? Si vous avez votre regard focalisé sur Jésus et que vous écoutez seulement ce que Jésus dit sans écouter le bruit que la population envoie. Parce que le bruit des vagues, c'est le bruit de l'eau. Amen. Je parle aux gens. Donc si vous passez le temps à écouter le bruit de la population, de l'eau, ils font le bruit, vous allez entrer dans la population. Amen. Mais si votre regard est focalisé sur Jésus, vous allez marcher sur l'eau. Amen. Vous allez marcher sur l'eau. Si votre regard est sur Jésus, vous allez marcher sur l'eau. Mais si vous écoutez les bruits des vagues, c'est-à-dire la population, vous allez vous enfoncer dans la population. Et quand un chrétien est enfoncé dans la population, il ne peut que mourir. Bien, mais je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci à Dieu. N'aie pas peur.